y a toutes sortes de partenariats très importants, très nombreux, très divers entre le Bénin et la France, ce qui fait que notre relation, je crois pouvoir dire qu'elle est très bonne, voire excellente. Nous avions un cadre général de partenariat dont l'échéance est arrivée, et nous avons eu l'occasion de faire le bilan de ce cadre général de partenariat. Tout ça s'est excellemment bien passé. Donc je pense que nous pourrions arriver assez rapidement à redéfinir un nouveau cadre. Et ce cadre, il va s'inspirer de l'esprit du discours de Ouagadougou, de l'esprit de Montpellier. Nous essayons de faire évoluer notre cadre de travail davantage justement vers des partenariats. Des partenariats, ça veut dire qu'on fait les choses ensemble. Ce n'est pas les bailleurs de fonds qui devraient décider de ce qui est bon pour le Bénin. C'est pour ça que ce sur quoi nous sommes en train de travailler actuellement, c'est un document qui va vraiment cadrer avec le pacte numéro 2. Vous savez, la France a ici probablement le partenariat le plus complet. On travaille en partenariat avec les Béninois sur un grand nombre de sujets. Le sujet de la défense, le sujet de la sécurité, donc on a un partenariat de défense important, même si on n'a pas de base et qu'on n'aura pas de base ici au Bénin. On a une coopération de sécurité intérieure. Et puis, on a une coopération ici à l'ambassade avec le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade où on fait où on a des partenariats dans le domaine du genre, dans le domaine culturel, dans le domaine universitaire, dans les domaines de l'énergie, dans le domaine de l'enseignement secondaire, dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, aussi dans le domaine du développement urbain. Donc, il y a une forte coopération franco-béninoise en partenariat sur ces domaines-là. Nous sommes ici à l'ambassade résolument mobilisés pour entretenir tous les partenariats dont je viens de parler et pour entretenir cette flamme de la relation entre cette flamme active, amicale entre la France et le Bénin, et je crois que nous y parvenons quotidiennement.